توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc aujourd'hui nous sommes à Shariqa dans le quartier de Roulaya. Vous vous rappelez, j'ai choisi spécialement ce coin parce que je sais que vous vous rappelez. Regardez, la mosquée, elle est là. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo avec le frère qu'Allah le préserve, Abou Souleyman, qui nous a fait une visite du quartier. Il nous a fait une belle leçon sur la hijra et en fait il nous a parlé de son... C'est exactement là. Donc rien n'a changé, à part que là il y a une petite école là. Je pense, je sais pas si c'est une crèche ou une petite maternelle. Le Royal Hotel, il est toujours là. Je pense que c'est ça, le Royal Hotel. Donc ici il y a pas mal de gens qui louent. Même les frères, ils louent. Ils ont dit que franchement les chambres elles sont bien et tout ça. Et surtout l'avantage c'est qu'il y a une mosquée centrale qui est là. Vous voyez la mosquée centrale, mashallah, niama. Donc c'était ça les points positifs de ce quartier. Et on a depuis le temps en fait le quartier il a un peu évolué parce qu'on a, quand vous allez tout droit, point, vous allez à droite, vous savez qu'il y a les ladies club sur la gauche. Donc ça c'est le ladies club, c'est un club pour les femmes. Nos sœurs, nos femmes, elles vont entre elles font des petits week-ends là-bas, ou enfin elles vont le week-end plutôt parce que c'est pas, on dort pas là-bas, mais elles vont le week-end là-bas ou dans la semaine. Il y a des activités pour les femmes, il y a des restaurants et tout ça. Et donc comme on dit restaurant, eh bien ça tombe bien. Aujourd'hui nous sommes dans une vidéo où en fait je vais vous présenter une cafétéria à vendre, une cafétéria à fort potentiel qui se trouve alors dans ce quartier. Dans ce quartier où en fait il y a pas mal d'habitations, pas mal d'habitants, pas mal d'immeubles et tout ça. Et donc j'ai rencontré un frère du quartier, Inch'Allah, qui va un peu nous faire un peu le point sur les petits restaurants qui cartonnent dans le quartier, juste pour avoir une inspiration, voir le potentiel possible. Donc toujours étant, c'est si vous faites un bon concept de restaurant avec c'est-à-dire que les plats que vous faites c'est bon et que les prix sont adaptés au quartier, c'est-à-dire au budget des gens du quartier, eh bien Inch'Allah ça peut bien fonctionner. Bidna. Donc on va à la rencontre du frère qui habite ici. Inch'Allah c'est un Mouajer qui est là depuis pas très longtemps, mais qui a assez de connaissances de ce côté-là pour nous aiguiller en fait et nous conseiller, voir est-ce que ça peut être un bon investissement, Inch'Allah. C'est parti. Donc on est là avec notre frère Rachid, Mashallah. Rachid, salam alaykoum. Alaykoum salam. Alhamdulillah, Mashallah, tu commences à devenir un petit ambassadeur du quartier aussi quand même. Ouais, Mashallah, ça fait déjà deux ans. Deux ans que tu es là, Mashallah, qu'Allah te préserve aussi, que ta famille. Oui, oui, Mashallah, toi, en fait, c'est intéressant que tu témoignes dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que toi, tu as un background. Actuellement, tu es dans la location de voiture, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay, donc, tu as une société de location de voiture, Mashallah, le frère à l'Aïberek, tout le temps opérationnel. C'est-à-dire que même quand il a plus de voiture, il t'en trouve une. Ouais, je vais chercher, ouais, Mashallah. C'est ça, le on essaie de trouver des voitures à tout le monde. Alhamdulillah, par l'occasion, donc ceux qui veulent louer des voitures, Rachid, Inch'Allah, je vous partagerai son contact dans les commentaires et son flyer, Inch'Allah, Bidnila. En tout cas, donc, toi, tu as un background dans la restauration, c'est ça qui est intéressant. Ouais, non, j'avais une crêperie en France. T'avais une crêperie en France, ouais. Voilà, ça, j'avais une crêperie et alhamdoulilah, ça marchait très bien et tout. Alhamdoulilah. Ouais, machallah, ouais. Et en venant ici, en fait, faire une crêperie, je pense pas que ce soit adapté, surtout à Sharjah. Ouais, surtout à Sharjah. Plus à Dubaï. Dubaï, je pense, dans Dubaï, une communauté d'expats, ça peut fonctionner. Dubaï, ça peut fonctionner. Mais ici, à Sharjah, je pense qu'il faut bien étudier le projet. Bah, on en revient à quelque chose qui est important dans cette vidéo, parce que ceux qui veulent se lancer dans la restauration, l'erreur qu'on rencontre souvent, les gens qui viennent de France qui se lancent dans la restauration, quelle est l'erreur commune? C'est de faire des plats français, en fait. Ouais, dupliquer ce qu'il y a en France, voilà. Et vouloir refaire ici en croyant que ça va cartonner comme là-bas. C'est ça. Et en fait, en réalité, il faut se localiser, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ça, faut s'adapter à ce qu'ils mangent en fait ici, en fait. À demande locale, bah ouais. Ouais, ce qui est connu ici, ils mangent beaucoup de poulet et du riz.
Ouais, voilà, du coup, faut faire ça comme un produit d'appel, en fait. Même si tu fais une carte, en fait, avec des nouveaux produits, mais il faut toujours apporter un produit d'appel que eux ils connaissent, en fait, pour leur faire goûter. Voilà, quelque chose. En fait, je pense qu'il faut. Il y a une histoire de se fondre dans le marché de la restauration, mais en se différenciant peut-être dans la manière de présenter le design, le branding et tout ça. Mais en réalité, les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est des burgers, c'est du biryani, c'est du mandi. C'est ça, ouais. C'est ça qu'ils veulent en général, non? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ils vont manger principalement, en fait, ce qu'ils connaissent, principalement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté qu'on peut leur faire découvrir? Ça, on peut le mettre dans le menu. Voilà, tu le mets dans le menu, mais tu mets en avant, en fait, ce qu'ils mangent habituellement. Voilà. Je pense, c'est une idée, ça peut être pas mal. Ouais. Et ensuite, eux, ils vont découvrir qu'il y a d'autres produits dans la carte. Ils vont pouvoir déguster, peut-être leurs enfants ou eux-mêmes, et vont vouloir s'intéresser et peut-être même goûter, te dire ouais, voilà, est-ce que je peux goûter ce produit-là, et tu leur fais goûter une dégustation, c'est rapide et ça leur permet de tester . Toi, dans le quartier, en tant qu'habitant dans le quartier, je suppose que tu vas dans des petits restaurants par-ci par-là, est-ce qu'il y a des cafétérias qui fonctionnent bien, qui ont un bon tu vois que ça débite à fond machin? Ouais. Donc effectivement, ici pas loin de la mosquée là en bas de chez nous là, Omkhora, il y a un restaurant donc c'est dans l'angle, qui est pas très loin de la corniche. Ouais, ouais, ouais. Que Hot Burger qui est connu, Et eux en fait ils font justement ils ont une carte assez variée, il y a tout dedans en fait. Ils font du riz, ils font du chinois, ils font des wok, ils font. Il y a tout en fait. Donc c'est vrai que je vois. Si on regarde la carte, elle est fournie. Et c'est quoi les prix à peu près de qui pratiquent par exemple un burger, la moyenne d'un prix en moyenne, burger, c'est en moyenne 25 dirhams. Avec la boisson. Un menu ou juste le burger? Menu. Je crois que c'est juste. Ouais, juste le burger. Juste le burger. Ensuite, je pense que ça doit avoisiner les 30 dirhams avec la boisson et les frites. Ça fait quoi, 8 euros? Ouais, c'est ça doit faire dans les 8 euros. 8 euros, monsieur. Et est-ce que toi, tu as une idée du coût de revient de ça? Ils vendent ça à 8 euros, mais ça leur revient à combien à peu près? Je veux dire, toi, en tant que ancien restaurateur. Ouais, je sais pas ici, j'ai pas étudié le. Non, j'ai pas étudié les prix de revient des matières premières. Non. Mais s'ils font à ce prix-là, c'est qu'ils doivent être rentables. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils marchent? C'est quoi les critères? Est-ce que c'est quoi la position géographique? Le goût? Ils sont bien placés. Le goût, c'est propre, surtout la propreté, c'est important. La propreté, c'est propre, il n'y a pas de. Tu rentres dans le restaurant, tu vois qu'il y a. Que c'est propre, en fait, que ça a été nettoyé, qu'il y a une équipe derrière, qui bosse. Une des voitures qui sont postées devant, ils viennent les voir directement, ils sont souriants. Et à l'hôtel aussi à côté. Ah, leur clientèle. Et à l'hôtel, c'est des potentiels clients, des vrais clients. Voilà, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi, je pense, hein, pour un restaurant à reprendre d'ici dans le secteur, c'est faire beaucoup de publicité. Donc la publicité qui marche beaucoup aussi, on l'a remarqué sur les véhicules, c'est les flyers sur la voiture. Il y en a qui pensent en fait que les flyers c'est fini, mais on est encore dans la génération pas flyers. Pas du tout, parce qu'il faut utiliser justement ce qui marchait avant et l'additionner avec le marketing, le nouveau Instagram, les social media, tout ça. Parce qu'il y a des personnes, ils sont pas forcément sur le téléphone en train de chercher un restaurant ou sur Talabat ou quoi. Donc ils ont besoin quand même d'avoir un support papier. Non, de le regarder, c'est intéressant, et il n'a pas forcément son téléphone, il n'a pas forcément. Donc après, ils se dirigent ou ils les appellent, ils commandent. Et si en plus ils font de la livraison, ils ont leur propre livreur. C'est un point positif. Ouais, c'est vrai, machallah. Donc en fait, en réalité, la concentration d'un restaurant ou d'une cafétéria dans ce quartier, c'est vraiment local. Des clientèles locales ou ils pensent qu'ils font de la livraison? Ouais, ils peuvent. Ils font de la livraison. Partout. Ils ont un rayon en fait. Ils ont un rayon, ils vont te livrer. Ils vont livrer quand même. Ouais. Par exemple, ici, Hot Burger, si tu leur demandes, moi j'habite de l'autre côté à 2 km, ils te livrent. Ils ont des fois des gars en vélo, des fois en mobylette, ils y vont. Ils y vont, d'accord. Ils y vont. Machada. Débite. Donc, on en revient en fait parce que tu sais, j'ai repéré un restaurant, machallah, juste en face de la COP. La COP, juste à côté. Et j'aimerais te le faire voir, machallah. On va et tu me dis ce que t'en penses. Allah
restaurant se trouve juste derrière Charles Jacob. D'accord. Voilà. C'est bon, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Ouais, tout le monde veut tout faire. Et ce Charles Jacob, il faut savoir qu'il est là depuis très 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 longtemps. Ouais, voilà. Donc, moi-même qui suis venu déjà en 2015, ouais, il était déjà là. Un attrape. C'est ça. Ouais, voilà. On va dire que les clients qui vont aller à Charles Jacob, ils vont se rendre compte qu'un nouveau restaurant a ouvert et vouloir le découvrir. Voilà. Ouais. On peut dire ça aussi. Ouais. Donc ça peut même peut-être avoir quelqu'un dehors. Imaginons un employé dehors qui donne justement des flyers et peut-être même pour un lancement offrir un dessert ou des choses comme ça. Voilà. Et les gens ils vont vouloir découvrir. On dira c'est pas mal, on va tester. Ou... Si c'est bon, c'est propre. Voilà, c'est ça. Il voilà. Faut pas se louper au départ parce que c'est les gens ils te donnent qu'une chance. Exactement. Ils viennent la première fois et s'ils trouvent que c'est bon et ils reviennent, ils en parlent aussi à du monde. Ouais. Et s'ils ils trouvent que c'est pas terrible, bah, là, ça, tu les revois plus. Et il y a aussi quand même un support dans la communauté française. Les frères, quand ils voient qu'un frère ouvre un restaurant, on a vu le cas avec le restaurant Zaki. Voilà. Machallah, ici, moi, j'ai pas vu un mohajir qui vient aux Émirats faire sans qu'il aille chez Zaki. Machallah, bah ouais. Parce que tout le monde recommande. On conseille, on conseille. Voilà, parce que c'est ça. Même des frères qui sont de passage, on dit ouais, t'es obligé de passer par là-bas. Ouais, exactement. Écoutez, c'est obligé, toi, voilà. Donc la personne qui va ouvrir ce restaurant, on espère que ce sera la même chose, Inch'Allah. On va se rapprocher, on va voir plus en détail le local, le matériel qu'il y a dedans, le potentiel. Parce que je pense qu'il y a la possibilité aussi de faire un genre de terrasse avec l'approbation de la baladia. Bien. Ici c'est possible, tu vois, tu peux faire une terrasse devant le restaurant. Mais voilà, il faut que la baladia accepte. Et j'ai repéré, il y a un passage ici entre la COP et le restaurant. Il y a un passage qui est assez large et tout. Parce que je pense que c'est l'entrée d'un immeuble. C'est aussi l'entrée d'un immeuble, mais c'est aussi... comment on appelle ça ? C'est aussi peut-être qu'il y a une possibilité de faire la terrasse, de la prolonger sur le côté. Allah alam, ça c'est juste des idées. Et en plus, le parking, tu as vu, c'est facile à se garer ici derrière. C'est ça qui est bien. Il y a toujours de la place ici. Moi, quand je viens à la Coop pour prendre des choses, j'ai jamais eu un problème pour me garer. C'est facile à se garer. C'est facile, voilà, tu peux te garer derrière, sur le côté. Exactement, il n'y a aucun problème. Ouais. Pour se garer, les clients, s'ils viennent, ils n'auront pas de ce problème là du tout. Même sur le côté là de ce nouveau bâtiment là, il y a des places aussi. Et ben voilà, c'est celui-là le parking. C'est celui-là le parking le plus proche. Okay, ouais. Donc c'est un peu ça, tu peux te garer. Et parmi les points intéressants qu'il a relevé Rachid, c'est le fait que si vous avez un restaurant, même si c'est le plus beau restaurant du monde, le plus grand du monde, le plus, avec les meilleurs plats du monde, si les gens ne peuvent pas se garer, bah, vous n'allez pas avoir de clients. Sauf si vraiment vous êtes un nom, vous êtes fait connaître autre part et vous venez. Là, il faut absolument regarder cet espace qu'on a entre la COP et le restaurant. Parce que là, on arrive, c'est directement le restaurant. Tu vois ? Donc là, c'est... La coopérative, elle est là. Ça, c'est la COP. Et le restaurant, il est là. Vous avez vu ce qui est intéressant? Déjà, il fait le coin, tu vois. C'est le coin, ça. Tu vois, il fait le coin. Le restaurant, il est composé en deux locales. Je vais filmer ça, c'est intéressant. Donc, la cafétéria, elle est posée. C'est cafétéria et restaurant. Cafétéria, c'est une licence. Restauration, c'est une autre licence. Restaurant, en gros, c'est des gros plats et c'est un endroit qui est plus fait pour accueillir les gens pour qu'ils mangent à l'intérieur. C'est plus des plats, assiettes, riz, des choses comme ça. Cafétéria, c'est pour du café, le karak, des sandwichs, des shawarma et tout ça. Donc là, c'est une cafétéria qui est composée en deux locales. Tu vois, là, tu vois bien, on a deux locales. Un local qu'ils ont dédié à la cuisine. Voilà, on va aller rentrer dedans tout à l'heure, celui-là de gauche. Ils ont ouvert le mur. Et voilà, ils ont ouvert le mur et ils ont fait un local qui est dédié. En gros, normalement, c'est pour s'asseoir dedans. Sauf que eux, ils ont fait une partition et ils ont mis un petit coin assis. Je pense que ça fait partie d'une des erreurs qu'ils ont faites. Ils ont pas mis et ils ont occupé là-bas pour le personnel pour se déplacer. Donc, on va rentrer dedans à l'intérieur pour voir. Mais quels sont les conseils que tu donnerais déjà quand tu regardes la devanture, par exemple, ici? Voilà, par exemple, la devanture, on voit qu'il n'y a pas de. Au niveau de la route, c'est quelqu'un qui passerait en voiture. Il n'y a pas un retour de l'enseigne. C'est-à-dire. Ouais, un peu comme l'opticien, là. Voilà, comme l'opticien, là, ce qu'on peut voir, il a fait un. Un retour pour qu'il puisse être visible de loin. De loin. Ouais. Alors, sur cette enseigne-là, on ne l'a pas. Déjà, changé l'enseigne. Ouais, parce que franchement, elle est pas, c'est pas très clair et il n'y a pas tellement de. D'informations. Non, mais elle a pas de roi, on dirait, cette marque. On dirait même pas c'est une marque. Ouais, c'est pas. Il y a une trop d'écriture, on sait pas de. On sait pas c'est quoi, on dit même pas. C'est même pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. À part que tu vois tout en haut, shawarma. Donc, ce qu'il faudrait faire, ouais, c'est ça, c'est faire un retour pour que ce soit visible de loin. Ouais. Et
faire beaucoup de communication. Beaucoup de communication, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais. Des flyers sur les voitures, des, ouais. La communication, c'est important, très très important, lancement d'un nouveau business, quel qu'il soit le business. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, beaucoup de publicité, que ce soit sur les comme voitures. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est ça. Ouais. Et ici, donc, on repère que, avant de rentrer dedans, on repère quand même qu'il a un concurrent là. Il a deux concurrents ici, ouais. Donc ça c'est bien de le noter, c'est-à-dire qu'il y a deux concurrents. On va voir un peu les concurrents, ce qu'ils proposent. Enfin, on va pas rentrer dans leur menu parce que faut pas faire de l'espionnage. Mais c'est juste pour voir un peu la forme de eux, ce qu'ils présentent, tu vois. Et en plus, c'est le feu rouge, l'avantage du feu rouge, c'est que... T'es obligé de voir. Voilà, si y a une file d'attente au niveau du feu rouge, ouais. Ils vont aussi s'arrêter au niveau du commerce, ouais. Ils vont voir que le niveau n'est pas ouvert. Exactement, ouais, exactement. Donc surtout, ouais, il y a du trafic dans cette rue. Le feu rouge, c'est un temps qui permet aux gens d'analyser ce qu'il y a autour d'eux. Ah, le Rafaïf, c'est connu ça, non? Rafaïf, Audrey, je connais cette... En tout cas, bon, c'est des concurrents parce qu'il faut directement du poulet rôti déjà. Poulet rôti, et à mon avis, d'avoir le menu, c'est les burgers et tout ça. Donc ici, c'est le feu rouge. Vous voyez la distance entre... voilà, tu vois, là, il n'y a pas de rappel, tu vois, quand tu vas dans ce sens-là, tu vois. On ne voit pas. On ne voit même pas, regarde. Et ils peuvent l'autoriser, ce qu'ils ont fait pour le petit chien. Ils peuvent l'autoriser. Non, à mon avis, ils ont l'autorisation, c'est juste que la personne a négligé. Voilà. S'il le fait, franchement, regarde, même on voit même la Corop, ils ont un retour, là. T'as vu le truc qui est extérieur, ouais. Ce qui permet de quand même de voir quelque chose. Il y a la Corop qui est là. Donc, s'il fait la même chose pour le commerce, le nouveau commerce, ça peut être pas mal. C'est peut-être pas mal, ouais. Eux, ils n'ont pas fait de retour forcément. Bref, ils n'ont pas fait de retour forcément, mais... Ils sont là depuis longtemps, ouais. Rona, ensuite on a là-bas, c'est quoi? C'est des... C'est un... Ça, c'est pas des concurrents. Et ensuite... Supermarket et après, il y a un coiffeur. Ok, donc coiffeur. Il y a 4 commerces qui sont collés. Voilà, et là, on accède direct à la mosquée. Et là, on accède directement à la mosquée. À droite. On arrive directement au restaurant qu'on a présenté tout à l'heure. Ouais. Je vais aussi. Ok, et là il y a un petit hôpital. Donc la rue elle est fréquentée de toute façon ici, c'est très fréquenté. Ça, c'est fréquenté. Très fréquenté. Ok, bismillah, on va rentrer dans le local, Inch'Allah. Bah vous voyez la circulation, il y a des voitures partout. Là en face on a un truc de bakery. À côté on a le. Comment il s'appelle ce magasin là où tout est pas cher? Alibania. Ouais, c'est un Libanais en fait qui vend des produits à péremption proche. Ouais, c'est ça. Et aussi on a Reef Hashem de l'autre côté. Et on c'est a aussi Reef Hashem. Reef Hashem, côté là. Donc ah ouais, donc c'est un autre pareil, ouais. Dans le même délire. Là-bas. Il est donc le coût de la vie ici il est pas cher en fait pour les habitants. Franchement pour les habitants ouais, c'est pas cher parce qu'il y a des, il y a des alternatives. Ouais c'est ça. Ouais. Toros, il est connu, Toros, il y en a un peu partout. Et Toros, Toros, il est au bout là-bas. Là. Toros, c'est. Après la pompe à essence. C'est aussi, il fait la. Pareil, même chose. Donc, c'est-à-dire, dans le quartier, on a 4 ou 5 commerces qui sont dans le délire des produits à péremption proches. Et les prix, c'est défi tout concurrence. C'est genre, je sais pas moi, un produit qui coûte, je sais pas, 100 dirhams, tu vas le payer 10 dirhams, c'est ouais, ça ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est agible. Les bagnas, là, dans des promos, la mascarpone, comme ça. Et d'ailleurs, même les commerçants, j'ai vu que les commerçants, ils saisissaient ces occasions-là pour acheter des produits de base, comme la mascarpone, comme tu as dit. Ouais, c'est pas périmé, c'est bon. Ouais, tant que c'est pas périmé, bien sûr. Ouais, une chose que j'ai pu remarquer aussi dans cette cafétéria, c'est les places assises. Ouais, parce que toi, tu étais venu ici. Voilà, je suis déjà venu quand il y avait encore quelques places assises. Ouais. Mais il n'avait rien d'exceptionnel en fait. Ouais, c'était pas bon en fait. C'était pas super bon et c'était. On retrouve le même goût que partout. Que partout, ouais. Et voilà, franchement, il y a beaucoup mieux en fait. Quand il y a beaucoup mieux dans le même domaine, ouais. Ouais, dans le secteur en plus. Donc pourquoi venir là? Pourquoi venir là? Et du coup, je suis jamais revenu. Je suis venu une fois en fait. Donc celui qui se lance dans ce qui se fait localement ici, il a intérêt à être plus fort que les autres. Voilà, ouais. Voilà, donc. Aussi, ouais. Mais là, on vient d'avoir une information capitale, subhanallah. Mmh. On a croisé une femme du quartier, bah, comme on est curieux. Mmh. On a posé la question, on l'a dit, Orti, est-ce que tu conseilles d'ouvrir un restaurant ici? Ouais. Elle nous a dit, écoute, ici,
C'était un shawarma, personne n'allait là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des shawarma dans le quartier. Il n'y a que ça, ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Dis-nous, on a une population arabe, on habite ici dans le quartier. Ouais. Pour aller manger du riz, du biryani, du mendi, elle a dit. Ouais, ils doivent aller ailleurs, ouais, du mendi. Du mendi, on doit changer de quartier. Quand on a dit mendi, c'est là qu'elle a eu une réaction. Voilà. Elle a dit oh, mendi, si vous ouvrez un mendi, je suis. En gros, c'est la première fois. Ah, c'est ça. En fait, c'est dire que. Mais par contre, le mendi, moi, ce que j'ai remarqué, le mendi, c'est toujours un restaurant qui est assez grand, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as vu des restaurants mendi qui sont de cette taille? Pas trop. Il y en a un qui est pas très loin de. Pas très loin d'ici, là, quand tu vas vers le. Tu sais, le. Où il y a. Le Sankhan, là-bas. Non, juste là, pas très loin. Ah, pas très loin. 500 mètres. Ouais. Ça, ouais. Est-ce que t'as vu... ça peut être un mendi qui est pas très grand, ouais. Ok, avec quelques places assises. Voilà. Aussi, peut-être un box aussi pour les familles. C'est important de penser qu'on va avoir un box. Ouais. Et aussi, faire de la livraison. Livraison. Et avoir des livreurs et faire de la livraison ouais. à emporter et faire beaucoup de communication et ça peut marcher. Ouais. Et franchement, le secteur là, où est-ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai qu'elle a dit, elle a touché un point clé qui a mis la puce à l'oreille. Elle a dit, on est une communauté d'arabes dans ce quartier, on n'a aucun restaurant arabe. À chaque fois, les gens ils ouvrent des restaurants, c'est des shawarma. On en a marre des shawarma. Ils veulent pas shawarma. Ils veulent un autre registre. Un autre registre, plus qui leur ressemble à eux. Voilà, du riz. Donc, ça veut dire que là, il y a un potentiel, une clientèle potentielle arabe. Et même toi, tu m'as dit, s'il y avait un mendi. Si y avait un mendi qui serait ici implanté dans le quartier, j'espère que j'irai. Alhamdoulilah, de toute façon, ça revient à la personne. En gros, pour 50 000 euros, de toute façon, il prend ce commerce. Avec tous les licences et tout ça, 50 000 euros. Tout inclus. Ouais, 50 000 euros, il prend avec le matos et tout ça. Moins que ça, mais j'ai calculé la licence, tout ce qu'il y a dedans, la licence et tout ça. Ça va. 200 000 Non, il en veut 185. 185 plus 16 000 pour la licence, plus changement de nom et tout, je crois, dans les 3 000. Et voilà, donc il est à près de 200 000. Hein. D'accord. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, alhamdoulilah. Mais voilà, t'as ton business. Après, je pense que les travaux qu'il y a dedans, je sais pas combien on estime. T'as une idée, toi, un peu, s'il doit faire une box et trucs, ça coûte pas trop cher, ça, non? Ouais, je pense pas que ce soit des gros travaux. Moi, je vais grimper de côté pour faire quelque chose de bien. Bon, là, je suis de haut, là. Moi, je m'y connais pas trop en matos de... Ben, toi, tu étais dans la restauration. Ouais, là, je sais que... C'est du kebab, ça. Ça, c'est pour faire du kebab, c'est sûr. Ça, je connais. Ouais, et en plus, le matériel a l'air récent, quand même. Il est récent. Bah, là, il a moins de 2 ans, le restaurant. Et c'est quoi, c'est les trucs centrales, là? C'est des... Ça garde chaud? Bah, c'est quoi? C'est les frigos? Ouais, il y a la... une desserte. C'est une desserte. Une desserte, ça veut dire C'est là où tu peux mettre du feu, c'est-à-dire la salade, des choses comme ça, des oignons. D'accord. Pour garder frais. Pour servir dans les shawarma ou quelque chose comme ça. D'accord. Je pense que c'est une desserte. Ok. Frigo. Et l'autre, il doit être aussi pareil. On ne voit pas de l'autre côté, mais il doit y avoir un frigo. C'est un frigo, ouais. Ouais, c'est pas frigo. Je vais descendre de toute façon. C'est pour faire les. Pour faire cuire les steaks et tout. C'est ça, ouais. Donc ça, on fait cuire les steaks là-bas. La plaque, ça ici pour faire... Mais concrètement, si on change de concept, qu'est-ce qui peut resservir ici? C'est ça. Il y a du matériel à revendre. Ouah. Ajib, je me suis fait mal au dos. C'est pas mal. Ajib. Donc quoi, du matériel à revendre. Du matériel à revendre. Ouais. Bah, le matériel, parce que eux, le prix, ils ont tout mis dedans, quoi. Tout est inclus. Tout est inclus, donc ça, c'est des trucs. Là. Là, c'est des rangements. Ça va permettre de revendre du matériel pour enregistrer le rangement. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ah, là, c'est d'accord. C'est là où il met les légumes et tout. Mais ils n'ont pas nettoyé dedans, les fermes. T'as les bacs, c'est ça? Ouais, c'est les bacs, ouais. C'est les bacs, et là. T'as un frigo aussi. Là, c'est un frigo, je crois. Ouais, c'est un frigo. Et encore de la bouffe dedans, ils ont pas enlevé. Donc là. Ouais, les frigos. Ça, c'est des frigos? Ouais. Là. Ça va abandonner. Ah ouais. Là, il y a un hand wash. Pour se laver les mains là, il y a les robinets. Là pour couper la viande, ouais, il y a un truc ici. Ils n'ont pas besoin d'utiliser la salle là-bas. Ben oui, il y a de la place ici pour mettre des frigos. C'est grand? Ben c'est quand même, ça fait quand même. On peut se mettre facile à 4 personnes là. Tu veux pas trop cascadeur quoi? Ah ouais. Moi c'est Jimmy Kamiz bleu de la guerre là celui-là. Là voilà, et le poulet rôti, bah ils ont la machine. Hein. Donc. On peut imaginer, tu sais, les poulets rôtis à la crapaudine, ouvert. Ah ouais, bah ouais, pourquoi pas. Avec le riz.
Ouais, ça. Ah, donc il peut exploiter la machine pour les voitures. Je sais pas si celle-ci est de fait ou peut-être tu veux juste changer les broches. Ouais. Changer que les broches. Ouais. Imaginons ça avec un bon riz. Ça. Avec une sauce, une bonne sauce, gravy sauce. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire. De toute façon, un vrai restaurateur, il va savoir. Tout ça, c'est des frigos. Donc, des frigos intégrés avec le plan de travail. Plan de travail, c'est vrai. Tu regardes parce que là, ça, c'est du deal. C'est des choses à garder. Ça, c'est des choses à garder. Ça. Amovible. Ouais. Et revendre. Ouais. Par exemple, la machine est mi-pénie là, pour le poulet. Ouais. Si tu le fais pas, tu la revends. Ouais. Le matériel ici à revendre. Ouais. Du matériel à conserver pour faire une autre activité. Si tu ramènes un tambour. Ouais. Comme ça. Ouais. Et tu fermes. Donc, comme on a dit ici, tu fais par exemple. Ouais. Tu veux mettre un espace pour les familles. Ouais. Pour les familles. Pour ceux qui sont tout seuls. Ah, donc tu penses que c'est faisable une petite box ici? Ouais. Un petit box. Il y en a un ici, là, il n'y en a que un. Voilà, ah, justement, ça fait VIP. Et tous les autres, ils viennent s'asseoir. Ils s'assoient extra. Ouais, donc, idée de Rachid, machallah, ça se voit qu'il était dans le domaine de la restauration, il conseille, voilà. Donc là, vraiment, tout. Épurer, il faut épurer, se concentrer sur une activité précise et claire et utiliser le matériel qui garder ce qui peut servir pour ce matériel et le reste revendre. Donc dans le prix de la vente, on peut dire que la personne elle peut refaire une plus-value si elle vend sur internet, par exemple ça, je sais pas ce que c'est. C'est là la machine pour le poulet. C'est pas une friteuse ça? Non, c'est la machine pour le poulet frit, Inipini. Ah. C'est un panier. Ouais. Tu mets ton poulet dedans, mariné avec la chapelure. Ouais. Tu le rentres dedans et en fait ça cuit à pression. C'est là la machine. Ah, c'est la machine de KFC ça. Ouais, c'est une copie. Hein. Eh ouais, mais ça coûte cher ça ce truc. Ouais, c'est une machine comme ça dans les 5000 euros. Machin là, intéressant. Donc là, il y a du matos quand même. Bien sûr. Waouh, ils vont me dire, je vais casser le truc. Alhamdulillah. Bah, en tout cas, celui qui le reprend, qu'Allah lui facilite, c'est aussi celui qui reprend avec la niya de la hijra et tout ça. Ça, c'est autre chose, tu vois. C'est, de toute façon, après, c'est le risque. Le risque, de toute façon, il vous suivra de là-bas ou ici. C'est exactement ça. Alhamdulillah. Voilà. Et quelqu'un de compétent dans le domaine ou quelqu'un qui s'entoure de gens compétents. C'est ça le cœur du business. Moi, je pense qu'un business, on peut s'en servir dans un business où nous, on n'est pas spécialisé dans ça. Mais si on s'entoure de bonnes personnes, eh bien, on peut faire marcher le business. Et moi, j'ai vu l'exemple dans des gens qui sont lancés dans la tech, dans des gens qui sont lancés dans des domaines vraiment, ils n'avaient aucune connaissance, mais s'entourer de gens compétents, ils ont réussi dans le domaine. Alhamdulillah, dans la restauration, on a maintenant pas mal de frères qui sont dans la restauration. Déjà, qui peuvent conseiller ouais. Et qui savent où acheter le matériel, ouais, qui savent tous les fournisseurs, ils ont des informations capital, c'est vrai, voilà, pour le lancement, et ils pourront les aider, demander conseils, les accompagner. Alhamdulillah, c'est pas ce qui manque. Ouais, ça. Barakallahu fik. Assalamu alaykum Rachid. Hayakallah. Donc Rachid, c'est quoi le nom de ta société? Donc moi c'est Dubai Fast Drive, donc la location de voitures. Machallah. La société est matriculée à Ajmen. Ouais. Et on vous livre Dubaï, Sharjah, Ajmen, on vous livre le véhicule. Machin, voilà. Donc ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut louer, tu le livres au point où il est lui. Ouais, voilà. L'aéroport et tout ça. L'aéroport, leur hôtel. Voilà, on propose même un service de transport si y a des personnes qui atterrissent, ils veulent qu'on vienne les chercher, on les dépose. Machin. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi les activités dans le désert, les sorties à Abu Dhabi. Ah, les c'est visites, bien ça. Voilà. Ah, machin. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, quels sont les conseils que tu pourrais donner à une nouvelle personne qui se lance dans l'entrepreneuriat ici, dans la tijara, dans le commerce, vu que tu as comme tant qu'on a un petit rayon maintenant avec ton expérience. Faut s'imprégner en fait du pays, faut venir prendre le temps de tourner et bien regarder en fait qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui manque, apporter une valeur ajoutée, ou alors faire des fois ce que tout le monde fait, mais le bien le faire, voilà. Mieux le faire propre, surtout propre. Quand c'est la restauration, faut que ce soit propre. C'est la propreté en fait qui joue. Propreté, l'enseigne, ça joue beaucoup. La visibilité, quelque chose de bon, et des offres qui sont intéressantes. Voilà. Et savoir communiquer. Communiquer, voilà, c'est ça. Voilà. Alhamdulillah. Barakallahu fik pour ces conseils. Précieux conseils, qu'Allah mette la baraka dans ta tijara. Qu'Allah fasse que tu sois sabit dans cette hijra ici. Ta famille, qu'Allah préserve tes enfants. Barakallahu fik. Ayakallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa ma yakumir rizqi, falaysa yafutuni.